بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، الشخص الرسول دابور جبودي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. Ensuite, je vous rappelle que dans notre dernière rencontre, nous avons parlé de nos cours les vendredis dans la nuit des samedis, et qu'on s'était mis d'accord pour partager les cours, pour partager ces cours-là en deux cours. C'est-à-dire un cours sur les sectes égarées, et on avait commencé à parler de la secte des frères musulmans, et un cours sur le tawhid avec le livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, kitab al-tawhid, le livre du tawhid. Et on avait, Inch'Allah, Ta'ala. Nous allons aborder un sujet, tout d'abord un sujet très important, avant de commencer ce livre-là, qui est l'importance, on l'avait dit ça à la dernière rencontre qu'on a eue, qui est l'importance du tawhid chez Allah Ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et chez les savants de l'islam. Et je vous avais dit, dans un de nos cours précédents, la parole des savants de la Sunna et du groupe sauvé, les savants de Ahl Sunna wal Jama'a, au sujet de la place du tawhid dans l'islam et dans la vie du musulman, qui est la parole suivante. La place du tawhid dans l'islam, c'est comme la place de l'âme dans le corps. Et un corps sans âme, c'est un corps mort sans valeur. Et c'est ainsi pour un islam sans tawhid, ou sans aqida authentique, sahiha, authentique c'est-à-dire sahiha, ou sans la vraie compréhension du tawhid. Comme l'a compris et mis en pratique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum jami'an. Donc, sans cela, c'est-à-dire sans le tawhid sahih et la aqida authentique, sans cela, ça sera un islam sans importance et sans valeur. Oui, mes frères et sœurs, c'est comme cela. Car toute adoration qu'Allah, le très grand et le très haut, nous a demandé de faire pour se rapprocher vers lui, est bâtie sur le tawhid. Toute adoration est bâtie sur le tawhid. Et vous connaissez très bien le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit « Bouni al-Islam ala khams, shahadati alla ilaha illallah ». La première, « Shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ». La première chose que l'islam a été bâti dessus, c'est la shahada. Donc toute chose est bâtie sur ça. La shahada, Allah, ilaha illallah, c'est la parole du tawhid. La parole du tawhid. La kalima du tawhid. Et on ne peut rentrer dans l'islam sans cette kalima. Donc si cette kalima, elle est mal pratiquée, c'est-à-dire un tawhid mal pratiqué, elle ne sera pas acceptée. Donc, je disais qu'il fallait que le tawhid soit authentique. Et j'insiste bien quand je dis le tawhid authentique. Et j'insinue par ceci, le tawhid tiré du Coran et de la Sunna du messager d'Allah, Ta'ala, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et ses compagnons, radiallahu anhum, jami'an, qawlan wa amalan wa atiqada, qui veut dire dans les paroles et les actions et la croyance. Mais tout d'abord, mes frères et sœurs, en vérité, avant d'aborder ce sujet-là, ce sujet très important, qui est l'importance du tawhid dans l'islam et dans la vie du musulman, avant de commencer le livre de Cheikh l'Islam, Mohamed Abouhar, rahimahullah, je voudrais vous rappeler une chose très importante qui est en relation avec nos cours et tous les cours donnés ou écoutés à travers le Palpok. Premièrement, je vous avais dit à travers nos rencontres précédentes que les cours qu'on donne en français, les cours qu'on vous donne en français sont seulement un rapprochement et une traduction
cours et explication de nos grands savants, Rahimallahu al-Amwat wa Hafidallahu al-Ahya, que c'est seulement une explication, c'est seulement un rapprochement et une traduction des cours et explications de nos grands savants, Rahimallahu, ou les Hafidallah, ceux qui sont vivants. Et que tous ceux qu'on vous ramène, on vous donne, Inch'Allah, est tiré de nos savants, ou un d'entre eux, ou un de leurs savants, de leurs livres, ou leurs cassettes, ou les intérêts qu'on a tirés d'eux, jazakumullahu khayran, à travers nos études avec eux. Donc, de cela, il nous est forcément obligé de vous dire et répéter, et vous répéter, que les doros sont spéciales, ces doros-là, je veux dire là, ou des doros de frères salafis en français, sont spéciales pour les frères et sœurs francophones, ou ceux qui sont très faibles dans la langue arabe. Et c'est pour cette seule raison que nous avions décidé, avec certains frères salafis, de commencer nos cours-là. Pour s'entraider avec nos frères et sœurs de France, à comprendre notre religion et la da'wa salafia à travers ces cours traduits en français. Par contre, ceux de nos frères et sœurs qui sont arabophones ou comprennent la langue arabe, il leur est recommandé de se diriger directement vers les cours des grands savants, hein, par le moyen du paltok ou autre moyen. Sauf s'ils veulent participer avec nous en nous apportant et nous faisons profiter du bien et de la science qu'ils ont acquis chez les savants, chez les grands savants. Et je vous rappelle aussi qu'on s'était mis d'accord avec les frères, et parmi eux, notre frère Al-Yamil bin Omar, Hafidallahu al-Jamir, que si un de nos cours qu'on donne, tombe le même jour que l'un des cours d'un savant, nous repoussons notre cours pour aller tous ensemble écouter le cours des savants ou du savant. Voilà pour cela. Il y a aussi, deuxièmement, on vous avait dit aussi que le paltok était une ni'ma. Je pense que vous vous rappelez, on vous avait dit que le paltok était une ni'ma, un grand bien d'Allah Ta'ala, pour nous tous. Car il nous a permis, c'est-à-dire le paltok, bi'idnillah, avec la grâce, par la grâce et la volonté d'Allah, d'écouter les doros, les cours de nos grands savants, en direct ou en différé. Walillahi alhamd. Et cela est une grande ni'ma de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a beaucoup de nos frères ou sœurs qui n'ont pas la capacité ou les moyens de voyager vers les grands savants ou les rencontrer pour plusieurs motifs. Maladie, ou manque de moyens, ou parce que c'est une sœur et qu'elle n'a pas de mahram, ou autre chose. Voilà qu'Allah Ta'ala, Allah le Très Grand, le Très Haut, leur a permis d'écouter ces doros-là de nos grands savants chez eux, en direct ou en différé. Donc cela, je répète, est une grande ni'ma. Et les ni'ma d'Allah sont incomptables, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala lui-même, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا, qui veut dire dans la traduction rapprochée, et si vous calculez ou dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Mais seulement, mes frères et sœurs, cette ni'ma-là, si on l'utilise pas dans le bienfait et la vérité, comme le veut Allah Ta'ala, dans le sentier qui satisfait Allah Ta'ala, Allah le Très Grand, le Très Grand, le Très Haut, ça deviendra une ni'ma, qui est une punition ou un châtiment, et non pas une ni'ma qui est un grand bienfait. Donc, pour qu'on préserve ce grand bien, cette grande ni'ma d'Allah Ta'ala, il faut tout d'abord le remercier et le louer, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il dit, inna Allah yuhibbu shakirin. Certes, Allah aime les reconnaissants. Et cette reconnaissance, de notre part, doit être pratiquée avec nos cœurs, et nos paroles et nos actions. Et cela, on ne l'aura vraiment pas mis en pratique que si on utilise le paltok à la manière qui satisfait Allah Ta'ala. Et parmi ces manières
ou ces façons-là, c'est de ne pas assister au cours des Moubtadi'a, par l'immense manière. Et qui rend, ou des routes, ou des façons qui rendent dans notre utilisation du paltok rend satisfait Allah, c'est de ne pas assister dans ces salons, les salons des Moubtadi'a, au cours des Moubtadi'a, les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. Ou les gens inconnus chez les salafis, inconnus chez les savants, inconnus chez les tolab el-ilm. Ne pas inviter aussi dans vos salons des gens pas reconnus, des gens non reconnus, pas reconnus dans la science et surtout dans le manhaj salafi. Et ne vous faites surtout pas, et ne vous faites surtout pas voir par des belles paroles. Car le messager d'Allah Ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, inna min al-bayani la sihra. Il y a dans certains exposés ou mis en point un encerclement. La seule façon de les reconnaître, c'est par une tasqiya des savants ou par d'autres frères salafis qui le connaissent et le reconnaissent. Car il suffit à n'importe qui de dire je suis salafi et il suffit à n'importe qui de parler avec la langue d'un salafi et la langue de la sunna. Et vous avez dû le voir, comme certains dans un nommé un qui s'appelait Abdelil, il se trouvait et prétendait salafi. Et il a réussi à parler avec une langue salafi jusqu'au jour où que Allah il a dévoilé Walillahi alhamdu wal minna. Et parmi les choses qu'il faut éviter pour être dans le chemin qui satisfait Allah Ta'ala, c'est de ne pas laisser, pour éviter de laisser les sœurs parler avec le micro à haute voix, de façon que tous les frères l'écoutent. Et cela est une mauvaise manière d'utiliser le paltok, car ça ouvre beaucoup de portes de fitna entre les frères et sœurs. Ça ouvre beaucoup de portes de fitna entre les frères et sœurs, car les cœurs des frères ne sont pas les mêmes. Il y a des cœurs qui sont yani qawi, qui ont une bonne foi, et qui sont d'autres cœurs qui sont faibles. Et le cœur et les hommes ne sont pas les mêmes. Donc il faut fermer ces portes qui peuvent nous faire des fitna. Donc ça aussi il faut faire attention. Et aussi éviter le privé entre frères et sœurs. Seulement dans un cas majeur et très utile en les éloignant de Pichouba. Ça aussi, car c'est une chose qui se fait beaucoup chez les frères et sœurs. Et nous, les salafis, on pratique le verset coranique que Allah a dit Al-Mu'minun awliya awliya ba'd, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar. Donc, on doit se recommander le bien et s'interdire le gamma, interdire le mal. Donc, on est obligé de vous dire ça. Aussi, éviter les privés entre frères et sœurs, seulement on peut le faire dans un cas majeur et très utile, utile, yani, qu'on a vraiment besoin, en s'éloignant de toute choubra. Et aussi, éviter les disputes et querelles entre vous, entre frères salafis ou d'autres, s'il y a un khilaf sur n'importe quel sujet de l'islam. Il faut que la discussion soit propre et honnête, tout en préservant sa langue. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait Al-Muslimu, man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. Qui veut dire, le musulman est celui qui n'atteint pas le musulman par la parole et par les mains. Et si je dis ça, c'est que je l'ai vu de mes propres yeux. Et je l'ai vu, excusez-moi, de mes propres yeux au Baltok, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Certains frères et sœurs disent ou écrivent des paroles recrutées dans les rues de Paris chez les délinquants ou non musulmans. Comme une de ces paroles suivantes qu'une sœur avait écrit contre un frère en disant « tu n'es qu'un bouffon ». Et cela n'est pas digne du sœur et non pas de son niveau, Inch'Allah ou Ta'ala. Et parmi les façons aussi d'utiliser le paltok à la manière qui satisfait satisfera Allah Ta'ala, c'est de s'organiser pour le temps et la façon de l'utiliser. Et ça, c'est important. S'organiser dans le temps qu'on doit utiliser le paltok. Parce qu'on a dit que c'était une ni'ma. Si c'est une ni'ma, il faut le utiliser de la façon qu'Allah il le veut. Et au temps qu'Allah, non pas au temps qu'Allah t'a demandé de faire autre chose. Ne pas, par exemple, passer toute la journée dessus,
tout en faisant sauter les heures de prière, ou prier à la maison et ne pas aller à la mosquée. Et là, je m'adresse aux frères. Par contre, les sœurs, l'éteindre au moment de leur prière et ne pas trop tarder si tu sais que tu n'arriveras pas à te lever à la prière du sobh. Car sinon, si tu fais ça, ça deviendra un munkar, une chose blâmable, et non pas un ma'ruf, un bien. Voilà mes frères et sœurs, globalement, certains conseils qui ont rapport avec la façon d'utiliser le palpox et l'internet pour que notre da'wah, la da'wah salafia, et nos actions soient acceptées et satisfaites chez Allah Ta'ala, et comme il le veut, Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, rabbil alamin. Maintenant, pour ce qui en est, pour le sujet qu'on va aborder, inshallah ta'ala, qui est le sujet qu'on a dit avant de commencer le livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid, on a bien dit qu'on va se retirer à des shurouh, des explications au ulama. Et parmi ces shurouh-là, on va essayer de récupérer les shurouh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, tout en les traduisant et vous les transmettre, inshallah ta'ala. Et parmi les explications, il y aura l'explication de Cheikh Ibn Abdelaziz Ibn Ibaz, rahimahullah ta'ala. Et aussi, il y aura le charh, l'explication de Cheikh Salih Ibn Fouzan, hafidahullah ta'ala. Et d'autres charh, et le charh de Cheikh Rabi'a, hafidahullah, lorsqu'il a fait Fath al-Majid. Et on a les cassettes, on a étudié avec lui ce livre-là. Donc, inshallah ta'ala, nous allons s'appuyer et tirer les intérêts de nos savants et transmettre à nos frères et sœurs la valeur et l'importance du tawhid d'après les paroles de nos savants d'avant et de maintenant. Mais je dis, avant de rentrer dans ce livre-là, nous allons parler de l'importance du tawhid dans l'islam et dans la vie du musulman, car vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a créé l'homme et l'esprit que pour le tawhid. Et une fois qu'on aura parlé de l'importance et on aura prouvé l'importance du tawhid dans la vie du musulman et dans l'islam, et chez Allah Ta'ala, et chez son messager et ses compagnons, comme a été l'importance du tawhid pour eux, nous allons tout de suite après commencer à parler de la vie du éditeur du livre, l'écrivain du livre, qui est Cheikh l'islam, Mohammed Abdel Wahhab. Nous allons vous parler de sa vie et sa da'wah, hein, de façon, inshallah, à prendre un exemple de ce savant-là, rahimahullah Ta'ala. Et ensuite, nous rentrerons dans le livre. Mais pour ce qui en est, pour l'importance du tawhid, on vous a sorti une des paroles de l'ulama, qui est la place du tawhid, mais il y a beaucoup de ayats et de versets coraniques et beaucoup de hadiths, hein, des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des qawls de salaf, des qawls de ulama d'avant et d'aujourd'hui. Nous vous les traduirons inshallah et vous les expliquerons et jusqu'à de façon qu'on saisit cette grande importance de tawhid chez Allah et son prophète et pour la religion islamique. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wa ila liqa'in akhar. Yani on s'arrête maintenant sur ce sujet-là. Inch'Allah, à la prochaine rencontre, on commencera sur l'importance du tawhid. Seulement là, j'ai voulu seulement faire un rappel important, parce que j'ai appris par certains frères que dans le patok, il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui essaient de poser leur da'wah ou la poser leur place eux-mêmes. Donc je voulais mettre mes frères en garde, mes frères étaient en garde, nasiha, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu nasiha. الدينو النصيحة الدينو النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم qui veut dire la religion est un conseil, la religion est un conseil trois fois, et les compagnons du prophète ont dit pour qui ya رسول الله, pour son livre d'Allah, pour Allah et son livre et son messager et les chefs des musulmans et tous les musulmans. Voilà pour ce qui en est, donc c'est une bonne nafiha et ce sera une petite nafiha pour la da'wah batok, surtout pour nos frères, salafis et nos sœurs. Wallahu alam. Et maintenant, je ne sais pas, je laisse la parole au frère Yamin, s'il a quelque chose.
جزاك الله خير يا أخي الكريم فريد. Une question, inshallah, barakallahu fik. Ce serait de savoir quelle est la comment il doit réagir le salafi par rapport à la fitna actuelle telle que l'Irak où on entend une possibilité de guerre et tout. Comment il doit réagir le salafi? Jazakallahu khair. Qu'est-ce que disent les ulama quant à la façon de réagir des salafis par rapport à la situation internationale? Jazakallahu khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La position du salafi, de tous les salafis, c'est qu'ils reviennent aux ulama. Voilà la seule position, c'est qu'ils reviennent à leurs savants, les grands. Ni au tollab ilm, ni à personne. Ils reviennent aux savants. Ils écoutent les conseils et les paroles de leurs savants. Ce que leurs savants leur ont dit de faire ou pas faire, ils écoutent. Voilà la position du salafi. Lorsqu'il y a une fitna, il y a une chose, il faut revenir aux savants. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé les savants pour guider la Ummah. Les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et les savants, comme disait Hassan al-Basri, rahimahullah, إِذَا أَقْبَلَتْ الْفِتْنَةِ عَرَفَهَا كُلُّ عَالِمٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. Lorsque la fitna aborde, arrive, tous les savants la connaissent. Les savants, c'est-à-dire les savants de Sunna. Et lorsqu'elle part, tous les ignorants la savent. C'est-à-dire, les ignorants, ils ne connaîtront jamais est-ce que c'est une fitna ou pas, comment se conduire et quelle est la position pour la fitna. Il n'y a que les savants. Donc la position du salafi, c'est de revenir à ces savants, aux savants salafis qui sont connus ici, à notre temps, qui sont Al-Kibal Ulama, qui sont Cheikh Rabir, qui sont Cheikh Ubay Jabeli, Cheikh Salah, Cheikh Abou Hamdi, tous les savants, ils sont connus. Il faut revenir à nos savants. Voilà la position du salafi, la salafi. Ne rien dire, ne rien faire, ne rien prendre comme position tant qu'on n'a pas revenu aux savants. Voilà. Et maintenant, celui qui veut savoir les paroles des savants, il n'a qu'à récupérer les cassettes et la faire passer au Baltoc. Moi, je sais que Cheikh Rabia a été posé, on lui a posé la question vendredi passé, Hafid Allah, et a répondu clairement et bien. Alors, si, Inch'Allah, vous lui avez, parce que je pense que le dos a été transmis par le Baltoc, vous la faites repasser au frère, la réponse a été claire et la question claire. Et si jamais vous ne l'avez pas, Inch'Allah, nous la récupérerons et nous la ferons repasser. Vous écouterez la réponse de Cheikh et vous ferez avec ce que Cheikh va dire ou d'autres Cheikh, Hafidhahumallah, vous diront qui sont salafis. Voilà ce que j'ai pour ça. Wallahu a'lam. Jazakallah khali ya akhi Farid, barakallahu fik. Soual yaqoul, donc il y a une question qui a été posée. Elle dit la question, donc il y a Mejid qui était salafi où on prenait la da'wa salafia, alhamdulillah. Mais les dirigeants n'étaient pas salafis. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les dirigeants, ils veulent mettre une da'wa ikhwani, ou une da'wa de mubtadi'a. Qu'est-ce que disent les ulama quant à la réaction des salafis? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réagir correctement? Barakallahu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme je disais toujours, nous, notre rôle, c'est de transmettre les paroles d'une savante de façon à guider nos frères et sœurs vers la vérité, vers le bien. Bon, donc, comme nous avons entendu, nous avons souvent posé cette question, le problème des frères salafis qui sont dans une mosquée, et que cette mosquée est dirigée par des non-salafis, par des ikhwanes, ou la part des gens qui ne sont pas vraiment situés ou suiveurs des ikhwanes, mais seulement ils renforcent ou ils ramènent les ikhwanes à la da'wah, comme ils viennent citer, a été cité dans la question. Dans des cas-là, nos savants, on les a souvent entendus parmi eux, Cheikh Rabih Hafdarullah, qu'il faut regarder la maslaha ou la majeure. Si jamais les salafis en restant dans cette mosquée, il y a les conditions s'il y a d'autres mosquées. Maintenant, s'il n'y a aucune autre mosquée, ils vont prier à cette mosquée parce qu'ils sont obligés de faire la jama'a. Ils vont moins protéger leur prière et prier après. Et le plus, c'est de faire leur prière et éviter la fitna. Parce que si c'est pour rentrer et pour être motif ou la ramener le. De faire des querelles à faire des bagarres ou la hajjan, non, c'est pas digne d'un dawa ou non pas, les dawa des prophètes, des messagers, et les salafis doivent être, doivent suivre les messagers dans la dawa, suivre les messagers dans tout. Donc la dawa, ce n'est pas de frapper ou d'insulter. La dawa, c'est de expliquer aux gens et les remettre, les mettre en garde contre une mauvaise dawa, leur expliquer que la dawa salafia, c'est la dawa de vérité, c'est la dawa qui a un but. Qui est vu et que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Maintenant, si le cas est comme il est cité dans la question, que
dans une mosquée où ceux qui dirigent amènent des ikhwan et leur faire la da'wah et empêchent les salafis de leur faire la da'wah, les salafis, il leur reste que, ou sinon, d'essayer de convaincre les dirigeants qui ne sont pas ikhwan vraiment, mais sont fait avoir, parce qu'ils sont peut-être du halal, ils sont peut-être ignorants, awam, ils font partie des générales des gens, ils connaissent pas, ils se sont fait avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Des fois, ils sont bien, mais ils se font avoir. Alors, le rôle des salafis, avec hikma, avec science, avec sagesse, c'est qu'ils aident déjà pour commencer, essayent de convaincre les responsables que la tête d'Awa qu'ils font, c'est pas une da'wah que Dieu et son prophète, à la fin, ont demandé. Et normalement, la da'wah, elle est là, avec preuve, appuyée, et retirée, et tirée du Coran et de la Sunna, et c'est leur expliquer hikma. S'ils voient par cela, ils arrivent à un bon but, et un bon résultat, alhamdulillah, et ça va marcher, inshallah, ils vont comprendre, ils vont rejeter ces ikhwan, ils vont donner la place aux salafis, comme ça arrive à certaines mosquées. Mais beaucoup de mosquées, comme ça soit en France ou là en Algérie, beaucoup, lorsqu'ils ont vu que la vérité était chez les salafis, ont repoussé les non-salafis, ont mené les salafis, comme ça s'est passé chez Cheikh Moukoubé Rahamallah au Yémen, comme il nous raconte, le frère du Yémen, et que beaucoup de gens ont rejeté la da'wah des ikhwan et la da'wah des autres sectes égarées, groupes égarés, parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de fruits, et c'est que c'est des da'wahs qui n'ont ramené que des problèmes avec les hukuma, avec l'État, avec les gens, que ça leur a ramené aucun fruit. Et ils ont vu que la da'wah, c'est la pièce, c'est une da'wah sincère, khalisa, qui veut Allah et son visage et la yom al-akhira. Donc ils ont accepté les gens, ils leur ont ouvert leur cœur, leur maison et tout ça, et ils ont redonné les mosquées. Donc s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire que les frères, c'est leur but, c'est ça qu'ils veulent faire. S'ils n'arrivent pas à faire ça, et en agissant, ça ne s'arrive pas, ils leur ont contacté, les contactés, ils seront tentés de prier et de, si jamais leur présence est valable là-bas, ils restent parce qu'ils peuvent guider d'autres jeunes et vont expliquer de façon qu'ils ne sont pas les autres, et leur présence, elle a un fruit, elle a une valeur, ça ils restent. Si leur présence, elle fait que leur amener des problèmes, ou sinon, ils peuvent être attirés par cette mauvaise da'wah, ils auraient forcément, comme dit Charabia, de changer de mosquée, aller chercher une mosquée, ou c'est la fia, et par les aussi, ils en trouvent une à côté de chez eux, ou sinon une mosquée qui n'a pas de da'wah, comme les vieux, comme les gens de personnes âgées, qui n'ont pas de da'wah, et là-bas, ils essaient de se rencontrer et construire leur da'wah, c'est la fia, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce que j'ai sur cette question, que je me rappelle d'après, globalement, les réponses de Cheikh Rabir ou d'autres, Wallahu alam. Voilà pour ce que j'ai, Wallahu alam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شيخ إسلام سبب الله خطانا وخطاكم فالله سبحانه وتعالى renforce nos pas et vos pas إن شاء الله nous voici de retour à nos cours bi'idhnillah avec la permission d'Allah Ta'ala au sujet du Tawhid. Et nous avons, la fois passée, au cours précédent, parlé et abordé le sujet de l'importance du Tawhid et sa grandeur et sa grande place chez Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum et chez les ulama de Sunnah. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, nous allons continuer ce sujet très très important. Naam, on va continuer ce sujet très très important. Et alhamdulillah, la da'wah, notre da'wah, la da'wah des salafis, des ahl sunnah et jama'ah, c'est la da'wah du tawhid. Et nous allons voir à travers ces dors, inshallah, l'importance et la grandeur du tawhid. Et on vous avait dit au dors précédent que nous allons commencer le sujet du livre de Cheikh al-Islam Mohammed Abdel Wahab, qu'on va l'expliquer en français, avec les explications et les chourouhs de nos ulama, parmi eux Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, et on prendra de Cheikh Ibn Baz rahimallah et d'autres mashayikh comme Cheikh Al-Fawzan et d'autres mashayikh comme Cheikh Rabia car il a fait le Fath al-Majid
Tout d'abord, mes frères et sœurs, je vous rappelle qu'on avait cité la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, qu'on avait tiré de son livre Madarij al-Salikin, qui disait que le Coran, Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire, il disait que le Coran est tout du tawhid. Et cela, mes frères et sœurs, c'est très très important de le savoir, car ça prouve l'importance du tawhid. Car tout musulman sait que le Coran est la base de la religion de l'islam. Le Coran, c'est la base de la religion islamique, et c'est la base et le retour de tout musulman. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le comportement du Coran. Comme l'a dit son épouse Aïcha, radiallahu anhu. Le hadith que vous connaissez, lorsqu'on a demandé à Aïcha quel était le comportement du prophète, du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, son comportement était le comportement du Coran. Il rendait son licite licite et son illicite illicite. Donc, le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le comportement du Coran, comme l'a dit son épouse, comme on vous a dit. Aïcha, radiallahu ta'ala, anha. Et cela veut dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, cela voulait dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, mettait le Coran en pratique dans tous les moments de sa vie. Donc, si le Coran est tout du tawhid, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimallah, la sunna et la da'wa du messager, et belle de tous les messagers, pire que ça, tous les messagers avant lui, alayhim as-salatu wa salam, étaient du tawhid. Et d'où est la preuve? Car le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih authentique, Utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Il m'a été donné le Coran et son semblable avec lui. Donc, et lorsque vous m'entendez dire que le Coran et la sunna et la da'wa du messager sallallahu alayhi wa sallam est tout du tawhid, ou lorsque vous lisez vous-même les paroles de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, que le Coran est tout du tawhid, cela veut dire exactement que le Coran ou la sunna ont été révélés pour expliquer et exposer le tawhid, et pour exposer ce qui l'oppose et ce qui le rend imparfait, et pour qu'il montre le sentier du tawhid et les gens du tawhid, et qu'il met en garde contre les chemins qui opposent le sentier du tawhid et contre les chemins et les gens qui suivent les chemins égarés, etc. Cela, on l'a vu dans les cours précédents. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement aujourd'hui, c'était un petit rappel. Là, on a fait seulement un petit rappel, c'est tout. Donc, mes frères et sœurs, parmi les preuves qui nous montrent l'importance du tawhid, qui est qu'Allah, parmi les preuves qui nous montrent l'importance et la grandeur du tawhid, est qu'Allah, Ta'ala, n'a créé les hommes et les esprits, les djinns, et tout ce qu'il y a dans la terre et les cieux que pour le tawhid. Comme l'a dit Allah Ta'ala lui-même, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comme quelques salafs ont dit, لِيَعْبُدُونَ comme Ibn Abbas لِيَوَحِدُونِ. La traduction rapprochée de ce verset-là, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et je vous avais déjà transmis la parole du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ibn Abbas radiallahu anhuma, que tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de tawhid. Donc, et parmi les choses aussi qui vous prouvent la grandeur et la grande importance du tawhid, est que toutes nos actions et toutes nos paroles sont immobilisées d'après la véracité du tawhid et de chacun d'entre musulmans, d'entre nous. Si le tawhid est authentique et correct, comme le veut de nous Allah Ta'ala, nos actions et nos paroles seront acceptées par Allah Ta'ala, bi rahmatillahi ta'ala. Et plus le tawhid sera correct et authentique et bien pratiqué de notre part, plus nos actions et nos paroles seront renforcées par Allah Ta'ala. Et nos hasanats seront augmentés par Allah Ta'ala. Le tawhid authentique
il est important aussi, car il aide beaucoup et facilite aux musulmans de lâcher le péché. Écoutez, c'est très important. Ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Fawzan aussi que j'ai pris dans le... Je vous ai toujours dit que moi, toutes les paroles que je vous dis, je prends de ulama. Et là, j'ai oublié de vous dire, il y a quelques paroles que j'ai prises de Cheikh Abdurrahman Sa'adi, rahimahullah, et quelques paroles que j'ai prises de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah. Là, ils disent, les ulama, je répète, le tawhid authentique, il est important aussi, à cause de son importance aussi, car il aide beaucoup, et facilite aux musulmans de lâcher et de délaisser les péchés. Et les actions et les mauvaises actions. Et les choses, et facilite aussi les choses illicites. Ça, c'est très important. Il faut bien savoir. Écoutez bien. Je répète, l'ulama dit que le tawhid, parmi ces choses qui sont importantes, et la grande valeur qu'il a au tawhid, c'est qu'il aide le musulman, il lui facilite à lâcher les péchés et les mauvaises actions. L'homme et le musulman vit qu'avec ses actions dans toute sa vie. Il a ses pensées, ses croyances, ses actions. Il a plus à faire à ses actions. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on vit, comme en France et ailleurs, on a à faire de mauvaises actions. Et on est tenté à faire de mauvaises actions. Donc, le tawhid, parmi la grande valeur et l'importance qu'il a, c'est qu'il aide, et facilite aux musulmans de lâcher les péchés et les mauvaises actions. Et facilite, facilite à lâcher les choses illicites. Et au même moment, il aide à vouloir faire les bonnes actions. Et au même moment, le tawhid sahih, authentique, correct, pris du Coran, de la Sunna, il aide à vouloir faire des bonnes actions et le bon comportement, et pousse à faire le bon comportement. Et c'est bien pour ça que nos savants disent, que les savants, rahimahum Allah, ils disent acquérir les biens de cette vie-là, la dunya, et du jour de la résurrection, yom al-akhirah, le jour de la résurrection, yom al-akhirah, est avec, comment on peut l'acquérir? Avec l'établissement ou la pratique du tawhid authentique. Et la preuve de ceci, mes frères et sœurs, de ce qu'ils disent le ulama, elle est dans le Coran. La preuve de ceci, mes frères et sœurs, est dans la voie, et dans le Coran, et dans la Sunna, et aussi dans la réalité qu'on voit dans la vie de beaucoup de gens. Dans la vie de beaucoup de gens qui ont délaissé le tawhid. Tout d'abord, nous avons vous amené la preuve du Coran dans le verset suivant. Allah Ta'ala, il dit: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Maintenant, nous allons vous dire la traduction rapprochée en français. Qui veut dire, puis, si jamais un guide vous vient, de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de jeûne, et le jour de la résurrection nous l'amènera aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle, alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que mes signes enseignements, t'étaient venus et tu les as oubliés. Ainsi, aujourd'hui, tu es oublié. On voit clairement, mes frères et sœurs, à travers ce verset-là, qu'Allah Ta'ala, le grand et le très haut, va donner une vie pleine de jeûne, pleine de problèmes et de jeûne, à ceux qui auront délaissé le tawhid et se seront détournés de lui, c'est-à-dire du tawhid et du rappel d'Allah Ta'ala. Et le plus grand rappel d'Allah Ta'ala, c'est le rappel dans le tawhid. Et en plus de ça, les rendra, c'est-à-dire les gens qui délaisseront le tawhid dans la dunya, qu'est-ce qu'il fera? Il les mettra en jeûne, et les mettra dans les malheurs, ils seront malheureux, et Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il les rendra aveugles. Le jour de la résurrection, il les rendra aveugles. Par contre, ceux
ceux qui suivront le tawhid et les guides d'Allah Ta'ala et les rappellent et le mettront en pratique, Allah a dit sur le sujet, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Traduction approchée, ne s'égarera ni ne sera malheureux. L'imam Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah, ta'ala, sahib al-Tafsir, dit au sujet du commentaire de cette parole, de ce verset-là, c'est-à-dire ne s'égarera ni dans cette vie, alors c'est le Tafsir de Sa'di. Sur le verset qui dit, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, ni ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Il dit sur cela, c'est-à-dire, ne s'égarera ni dans cette vie-là, et ni le jour de la résurrection, et ne sera malheureux ni dans cette vie-là, et ni le jour de la résurrection. Donc, mes frères et sœurs, il faut comprendre de cela que beaucoup de malheurs ressentis chez beaucoup de nos frères et nos sœurs revient à cette cause et à cette seule raison, ou la plupart de ça, c'est cette raison. Et aussi que beaucoup de disputes et querelles et divergences entre les frères, entre nos frères, et entre les frères et leurs femmes, et entre les frères entre eux, et entre les familles, et entre les proches, pas des musulmans, hein, et entre les proches, et entre les familles, et tout ça, même les koufars, c'est parce qu'ils ont délaissé Tawhid, mais là, notre discours, c'est koufars, nos frères et nos sœurs. Et entre les familles et les proches, c'est quoi? L'affection de ce problème-là, et de cette maladie, de ces maladies, provient, la plupart d'entre elles, si bien la plupart d'entre elles, de ça, provient de quoi? De ça. C'est-à-dire, la mauvaise mise en pratique du tawhid. Et la grande cause de cela, c'est quoi la grande cause de la mauvaise mise en pratique du tawhid? Cela est la mauvaise connaissance de la science du vrai tawhid tirée du Coran et de la Sunna. Et sachez mes frères et sœurs, que Dieu nous protège et vous-même, que le tawhid authentique qu'Allah nous a demandé de pratiquer dans cette dunya, dans cette vie-là, et aussi la grande cause ou la raison qui console ou distrait nos chagrins. Ça, c'est un autre point de vue sur l'importance du tawhid. Je répète qu'il faut savoir que Dieu, il faut savoir que le tawhid authentique qu'Allah Ta'ala nous a demandé de pratiquer dans cette vie-là, il est aussi la cause, c'est aussi la grande cause ou la grande raison, hein, qui console, hein, lorsqu'on le met en pratique comme Dieu le veut, hein, comme l'a mis en pratique le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont mis en pratique ses compagnons, radiallahu anhum, et les tabi'in, et les ulama, hein, c'est la grande et grande raison qui console, hein, et l'intermédiaire, qui console ou distrait nos chagrins, et nos tristesses, et nos soucis, car avec la connaissance et la pratique du tawhid authentique, on obtient quoi? On obtient l'équilibration en nous-mêmes, on est équilibré. Et l'enracinement et la sécurité. Comme a dit Allah Ta'ala dans Surat An-Nur, Allah dit وَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ماذا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. La traduction. Allah a promis, ça c'est la traduction rapprochée. Moi je dis toujours les versets en arabe, les frères et les sages, parce que je ne dis jamais Allah a dit après en français. Allah il n'a pas dit ces traductions. Allah, il faut citer d'abord le verset en arabe, comme il a été en révélé. La traduction rapprochée, on dit rapprochée parce que c'est pas vraiment une traduction, elle est rapprochée. Allah a dit dans la traduction, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait, qui ont cru, c'est la croyance, et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux,
il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Allahu Akbar. Cheikh Salah ibn Fawzan, hafidahullahu ta'ala, il dit dans le livre, dans son livre qui est connu, Muhabarat fil Aqidah, les conférences sur la Aqidah, après avoir cité ce verset-là, Cheikh Fawzan, il dit, et tout, écoutez bien, je vais vous dire la parole de Cheikh Fawzan. Il dit, certes, il est possible d'obtenir, écoutez bien, certes, il est possible d'obtenir ces demandes très importantes avec l'adoration d'Allah tout seul, sans rien lui associer. Yani les demandes que Dieu a citées, quelles sont les demandes versées à Allah? Qu'est-ce qu'il a dit? وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Qu'est-ce qu'il a dit? لا يستخلفنهم. اسمعوا. Ça c'est la première demande. في الأرض. كما استخلف الذين من قبلكم. Ah, l'istikhlaf أول شيء. Après. ولا يمكنن لهم دينهم. C'est la deuxième demande. Ah, التمكين. دينهم الذي ارتدى لهم. La troisième. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. La troisième, il change, hein? Mais qui c'est quoi qui est la cause de ramener tout ça? Ya'budunani wa la yushriku nabi shay'a. Donc ces demandes-là qui passent sur Fawzan, il dit, certes, il est possible d'obtenir ces demandes qu'on a citées, d'après la verset coranique, très importantes avec, comment? L'adoration d'Allah tout seul, sans rien lui associer. Car Allah a dit, Ya'budunani wa la yushriku nabi shay'a. Il m'adore et ne m'associe rien. Ensuite, il dit, Hafizahullah, Cheikh Al-Fawzan, la parole de la communauté ne pourra se réunir et le fondement de la communauté ne pourra être obtenu et bâti que par la parole du Tawhid et qu'avec la croyance du Tawhid authentique. Et sachez, mes frères et sœurs aussi, que le Tawhid là où il est, posé, ou prêché, ou transmis, recrutera l'amélioration dans la terre. Écoutez, ça c'est un autre faïda, une autre importance lorsqu'on met le tawhid en pratique. Il faut savoir que le tawhid, si on le met en prêche, et on prêche avec le tawhid, parce qu'il y a beaucoup des da'wah, des prêches de gens qui ne pratiquent pas le tawhid. Par contre, la da'wah de Ahl Sunnah, c'est le tawhid, tout d'abord, hein, au début et à la fin. Comme dans le hadith Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé où? Au Yémen. Il a dit, Sata'ti qawman ahl al-kitab. Hein, tu vas aller voir un qawm, des gens du kitab. C'est-à-dire des chrétiens parmi eux des juifs. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, le prophète sallam, Faliyakun, hein, awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Et dans un texte, an yuwahidu Allah. Donc, la première da'wa, lorsque alors, c'est pour ça qu'on vous dit là que lorsque le tawhid est posé ou prêché ou transmis, hein, dans la terre, il recrutera l'amélioration dans la terre. Hein. Mais par contre, le shirk recrutera le désordre et la corruption dans la terre. Comme il a dit Allah Ta'ala, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. La traduction rapprochée, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Quelques savants du tafsir, des commentaires du Coran, des ulama, ont commenté la parole d'Allah de ce verset-là qui est voilà tous ces douze arbres, qui veut dire et ne semez pas la corruption, hein, sur la terre, c'est-à-dire avec le shirk, ils ont dit. Ba'da islahiha,
après qu'elle a été réformée, c'est-à-dire ils ont dit avec le tawhid. Donc le islah, c'est le tawhid. Le tawhid y ramène le islah, et le fasad, ouais, le fasad, c'est le shirk, et le shirk y ramène le fasad. Abu al-Aliya, un grand imam tabi, rahimahullah ta'ala, disait: toute recommandation du bien dans le Coran ou du convenable dans le Coran est du tawhid. Écoutez bien. Kullu ma'rufin fil kitabillah tawhid, il disait en arabe. Toute recommandation de bien ou de convenable, hein, dans le Coran est du tawhid. Et tout blâmable dans le Coran, kul munkar dans le Coran, sur le Coran, est du shirk. Je sais, vous allez vous étonner. Non? Vous allez vous étonner, vous allez me dire comment ça? Comment Abu Ali le Tabi'i, il peut dire que kullu ma'rufin fil Qur'an est tawhid, wa kullu munkarin fil Qur'an est shirk. Certes, on voit qu'il y a beaucoup de munkar cités dans le Qur'an et de ma'ruf qui ne sont pas le tawhid, et qui sont peut-être des ma'asiyah. Parce que tawhid, c'est-à-dire de munkar, et beaucoup de ma'ruf qui peuvent être autre que le tawhid, hein, comme faire sadaqa ou là, n'importe quoi. Là seulement, nous allons comprendre la parole de ce tabi'i avec les paroles et les explications de nos ulama. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de revenir aux ulama lorsqu'on ne sait pas. Allah il nous dit: fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel, c'est les ulama, si vous ne savez pas. Les savants ont expliqué qu'ils voulaient dire, c'est-à-dire Abu Ali, rahimahullah, le tabi'i, qui voulait dire de ceci, de cette parole-là, que le plus grand ordre vers le convenable dans le Coran est l'ordre vers le tawhid. Et tout le reste d'ordre suit cet ordre-là. Et la plus grande interdiction du blâmable dans le Coran est l'interdiction du shirk. Et tout ce qui suit, et tout le reste et tout comme interdiction, suit ça. Et cela, on le retrouve dans les paroles de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahab, rahimallah. Comme il a dit dans son livre Ma'ruf, connu et chez vous, au sous le Salafa. Dans son livre, il dit, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahab, dans son livre au sous le Salafa, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. Qui veut dire, en français, la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid. Qui est, c'est-à-dire le tawhid, rend unique Allah dans l'adoration. Et la chose la plus grave qu'il a interdit est le shirk, l'association. Qui est d'invoquer d'autres avec lui. Mes frères et sœurs, je prête à votre attention ici lorsque je vous ai dit au sol le latin. Certains frères ou sœurs vont se dire: mais pourquoi le frère Farid, il ne commence pas avec nous au sol Salata? Et qu'il commence directement avec Kitab Tawhid, et que nos ulama nous ont conseillé comment commencer à étudier. On commence par au sol Salata, après on ira au Kitab Tawhid, avec les shurouh des ulama. Je vous dis, je vous explique ça, pourquoi j'ai choisi Kitab Tawhid, qu'on va bientôt rentrer, Inch'Allah, et commencer, et je n'ai pas pris au sol Salata, car au sol Salata, je l'ai déjà expliqué, vous avez qu'à demander les cassettes. Il y a certains frères à Marseille ou vers Lyon, là où j'étais, ils ont les cassettes, j'ai fait l'explication de Osul Kalatar plusieurs fois. Vous avez qu'à demander les cassettes, Inch'Allah, ou les cassettes de votre frère qui l'ont expliqué en français, Inch'Allah Ta'ala. Donc, voilà pour la parole de Cheikh l'Islam, Mohamed Abdab, dans Osul Kalatar. Je continue. Je dis, et parmi les preuves aussi, mes frères et sœurs, qu'Allah vous protège et nous protège, qui nous prouve la grandeur et l'importance du tawhid, et que, voilà, parmi les importances aussi, et quand je dis parmi, parce qu'il y a beaucoup d'importance dans le tawhid, beaucoup de valeurs, mais seulement je ne peux pas tout vous dire. Je vous dis certaines choses, Inch'Allah, ça vous rapportera beaucoup de choses. Alors je dis, et parmi les preuves aussi, mes frères et sœurs, qui nous prouvent la grande importance du tawhid, et que le tawhid et sa pratique, et sa pratique de notre part, si on est en pratique, est le droit d'Allah. Que quiconque néglige sera châtié. Et quiconque le met en pratique correctement sera épargné du châtiment d'Allah. Comme a été dit
est cité dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. L'imam al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, d'après le sahabi, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, il disait, Mu'adh ibn Jabal, j'étais assis derrière le prophète, j'étais assis derrière le prophète sur un âne, sallallahu alayhi wa sallam, sur un âne. Mais il ne faut pas vous étonner, il y a des gens, ça les choque. Et pour eux, c'est un rabaissement de monter sur un âne ou citer un âne. Il y a certains gens, certaines personnes, ils sont comme ça, et ça c'est une erreur. Et ça, ça vous prouve la modestie de notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il montait sur un âne. Et ça, c'est la preuve qu'on peut citer un âne sans dire hajak. En Algérie, il y a beaucoup d'endroits, quand tu cites l'âne, tu dis hajak. Tu dis pas hajak, c'est pas bien. Par contre, le prophète et les sahaba, lorsqu'ils ont dit l'âne, ils n'ont pas dit hajak. Donc, on ne dit pas hajak. On dit, comme il a dit le sahabi. Le sahabi, Mu'adh ibn Jabal, « Al-kuntu radif al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, al-himar. » J'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, hein, sur un âne. Et naam, après, on va sur un âne. Alors il m'a dit, Mu'adh ibn Jabal, il dit, alors il m'a dit, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Ya Mu'adh, ou Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah ?» Ya Mu'adh, أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله en français. Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Je dis, Mu'adh dit, je dis, قلتُ الله ورسوله أعلم. Je dis, Allah et son messager sont plus savants. Je m'arrête là pour vous expliquer une chose très très importante. Il faut vous poser cette question et l'apprendre et la connaître. Est-ce que maintenant, lorsqu'on vous demande une question qui a relation avec la sharia, avec l'islam, avec une question qui a à voir avec le tawhid, et que vous ne connaissez pas, il y a juste de dire Allah wa Rasul wa Alam après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parti, ou la yajouz? Je vais vous donner la réponse du ulama. Cela, je l'avais étudié avec Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, lorsqu'il était vivant. Nassalallah an yarhamahu rahmatin wasi'ah. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Il nous avait expliqué, d'après ce hadith-là, que les ulama avaient plusieurs qawls. Certains ulama disaient qu'il était interdit de dire Allahu Rasul wa Alam après la mort du prophète. Il fallait s'arrêter Allahu Alam. Car le prophète n'était plus savant après sa mort. Car il est sorti de la dunya. D'autres ulama, ils disaient, na'am, sur les choses de ghaib, de invisible et de la dunya, il ne fallait dire que Allahu Alam. Mais sur les choses de la sharia et l'islam, il y a juste de dire Allahu Alam, Allahu Rasul Alam, c'est-à-dire parce que le prophète, c'est lui qui a révélé la religion, et lui est plus savant que nous. Malgré qu'il est mort, il était plus savant que nous. Voilà, une bête, il y a juste de dire Allahu Rasul Alam. Lakin, ça c'est les paroles de nos savants qui disent ça. Lakin, on avait demandé ça à شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله il nous avait dit de se contenter يعني de dire Allahu alam. Le mieux c'est de dire seulement Allahu alam maintenant, de façon à ne pas rentrer une choubha ou là un problème ou chez certains musulmans faibles qui ne pourraient pas comprendre ce tafsir, ces choses-là. Donc on reprend, on dit que Mu'adh ibn Jabal répond à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lorsqu'il lui pose la question, je dis Allah et son messager sont plus savants. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, le droit d'Allah, haqqullah ala al-ibad, le droit d'Allah envers ses serviteurs, est qu'il l'adore sans rien lui associer. Haqqullah ala al-ibad, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit, le droit d'Allah envers ses serviteurs est qu'il l'adore. Toujours du tout, écoutez, sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah, hein, est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui associe rien. Wa haqqul ibadi ala Allah, alla yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. En français, et le droit des serviteurs envers Allah est qu'il ne châtiera pas, c'est-à-dire Allah ne châtiera pas celui qui lui ne lui associera rien du tout. Donc, mes frères et sœurs,
le tawhid en résumé, en résumé, le tawhid est la raison pourquoi Dieu nous a créé. Et le tawhid est le droit de Allah. Et c'est la, et le tawhid est le, c'est la première, c'est le premier et la plus grande obligation qu'Allah nous a ordonnée. Pire que ça, c'est la première obligation, hein, et aussi la dernière obligation. Car avec le tawhid authentique, on devient musulman. Et avec lui, lorsqu'on meurt, on meurt musulman. Et toutes les questions posées dans nos tombes, ou le jour de la résurrection, seront des questions sur le tawhid ou tout ce qui a relation avec le tawhid. Et c'est avec la parole du tawhid, bi'idnillah, avec la grâce d'Allah, qu'on rentrera au paradis, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Mais attention mes frères et sœurs, on n'est pas la secte des Murji'a comme ils nous accusent, les Ahl-Bida, les Takfiriyin et les Khwan. On dit par la prononciation la ilaha illallah sans la comprendre et sans les shurut et sans la pratique, hein, et sans la mettre en établissement et en pratique, qu'on va rentrer au Jannah. Comme ça, c'est pas ce qu'on dit. Parce que on dit mankana, on dit seulement le hadith du prophète, mais comme il a dit, mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Vous pensez, mes frères et sœurs, que celui qui ne met pas les tawhid en pratique et qui n'apprend pas le tawhid, hein, et qui ne met pas le tawhid en pratique dans sa croyance, ses actions et ses paroles, Allah il va le renforcer, l'affirmer et le renforcer pour qu'il dise la ilaha illallah avant de mourir. Vous croyez comme ça? Pour que Allah t'aide, pour que ta dernière parole soit la ilaha illallah, il faut que ta vie soit la ilaha illallah. Voilà pour le dos d'aujourd'hui, pour notre cours d'aujourd'hui. Wa jazakum Allahu khayran, wa barakallahu fina wa fikum, wa aqulu akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Voilà mon frère et mes soeurs, on s'arrête pour aujourd'hui, Inch'Allah, et la prochaine fois, bien là, mes frères et sœurs, nous continuerons toujours sur l'importance du tawhid. On vous amènera des preuves du Coran, toujours, et de la Sunna, et des tabi'in et des sahaba avant eux. Et ensuite, Inch'Allah, nous rentrerons sur la vie de Cheikh l'Islam avant de commencer son livre, Mohammed bin Abdel Wahhab, connaître pour la vie de vos ulama et de ces gens salihim, de toute façon à copier leurs bonnes actions et prendre l'exemple dans Aoula et dans leur dawa. Et ensuite de ça, nous allons rentrer directement dans le livre, Inch'Allah Ta'ala, si Dieu nous laisse en vie et nous donne la force. Wa sallallahu al-tawfiq wa al-taysir wa al-sadad fi al-qawli wa al-amal. Voilà mes frères et sœurs, voilà, il y a Yamin, il y a autre chose, Inch'Allah, ou là, on se quitte maintenant. Taïb, Akh Farid, Inch'Allah, il y a une question du frère Abdullah. Donc il pose la question suivante. Il dit qu'il y a un hadith qui parle de Ruqya. Et qui dit, donc ce hadith qui dit que tu fais Ruqya que contre le mauvais œil et les piqûres de serpents. Et le frère, il aimerait bien comprendre ce hadith, car il voit beaucoup de gens qui font Ruqya pour autre chose que ça. Tafad Aliya. Alhamdulillah. Allah salam ala rasulillah. Non, mais il y a un hadith qui dit ça. Mais la traduction, on ne peut pas. Ça, c'est une traduction du frère et c'est pas vraiment la compréhension du hadith dans la langue arabe. Lorsqu'il dit. Le prophète, il n'y a pas de ruqya seulement pour un œil ou pas. Il a cité trois choses. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit de faire ruqya à part contre l'œil. Ou ces deux choses qu'il avait citées. Et la preuve de cela, c'est qu'on retrouve dans d'autres hadiths que les sahaba, ils faisaient de ruqya sur autre chose que l'œil. Et on retrouve que le prophète, il l'a fait. Et on retrouve que Yanné, ça a été fait dans chez beaucoup les sahaba. Et si on rassemble les hadiths qui parlent de ruqya, on va trouver qu'elle n'a pas été faite seulement contre l'œil et contre les deux choses qui ont été citées, que je ne me rappelle pas maintenant. Mais par contre, a été faite pour. Parce que le ruqya, les ulama, ils disent, comme expliqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans l'une de ses cassettes, il disait la ruqya. Évidemment, tu dis ça, donc vous avez trouvé dans Fath al-Majid et tout ça, vous trouvez la définition de ruqya. Ruqya, dans la langue arabe, c'est qira'atu shay'a al-marid. Ça, c'est pour ça,
il ne faut pas comprendre la ruqya autre chose que ça. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il savait que ses compagnons avant l'islam, ils faisaient la ruqya, de la jahiliya, évidemment. Alors il leur a demandé de que chacun d'entre eux présente sa ruqya. Alors chacun d'entre eux a présenté sa ruqya avant l'islam. Ils faisaient du'a, c'est la du'a. Alors ce qu'ils ont présenté, le prophète a accepté celles qui n'avaient pas de chic et a éliminé le reste. Et a dit après, la ba'sa bir ruqya ou bir ruqa ma lam takun shirka. Il a dit, il n'y a pas de problème, de mal, dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de chirk. De ce hadith-là, les ulama ils prennent que la ruqya, on peut la faire avec le Coran, et on peut la faire avec les du'as et la sunna, et on peut la faire même avec des bonnes paroles qui n'ont pas de chirk, même si ce n'est pas tiré du Coran et la sunna. Et la preuve de cela, c'est ce hadith. Car la ruqya qu'ils ont présentée au prophète, elle n'était pas tirée du Coran, c'était avant l'islam. Et le prophète l'a affirmé, et l'a dit c'est bon. Alors, de ce hadith et d'autres hadiths, on voit que le prophète a vu les sahaba faire ruqya, et le prophète lui-même a fait de ruqya, et on trouve que lorsqu'un homme a été piqué un jour, ils sont venus voir les sahaba, ils ont fait un ruqya. Le ruqya a été fait pour beaucoup de choses, à part le haïn. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut qu'il comprenne, le frère, lorsqu'il voit dans un hadith la ruqya illa min haïnin au kada au kada. Yana, haïn Alfama, haïn, il y a aussi la fièvre et tout ça. Il ne faut pas comprendre. Sinon, elle va piquer, Et il ne faut pas comprendre de ça que à part ça, il n'y a pas de ruqya. Là, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des choses qui vous disent ça. Si vous prenez la langue arabe maintenant, vous allez prendre la langue arabe, vous allez trouver des phrases la kada. Ça ne veut pas dire il ne faut pas le faire. Des fois, non. La preuve de cela, c'est comme j'expliquais au frère tout à l'heure, tu vas retrouver dans d'autres hadiths, tu vas retrouver dans d'autres hadiths que les sahaba ils ont fait ruqya par l'ayn. Tu vas trouver que dans d'autres hadiths, certains sahaba ils ont fait ruqya à part l'ayn. Oui, les frères, là, peut-être qu'il nous faudra du temps pour le chercher, mais seulement là, maintenant, on se contente de cette réponse-là, et inchallah, la prochaine fois, on va chercher, il n'est pas dans le Fath Hamayyid du hadith, mais je sais que c'est un hadith qui est authentique, qui est connu, mais on va le chercher dans un autre livre, et inchallah, le hadith que le frère a cité est connu, et seulement, il faut le raccorder avec d'autres hadiths, et les faits, et les compréhensions des compagnons. Donc, inchallah, la prochaine fois, nous allons entre la semaine, nous allons regarder sur le hadith, voir le kalam des ulama, et vous amènerez la preuve, et inshallah, on essaiera de vous citer, inshallah ta'ala. Voilà pour ça, Allah alam. Naam, barakallahu ki akhi Farid. Il y a une question, donc toujours dans la ruqya, mon frère il pose la question, donc il dit, et toujours par rapport à la ruqya, on voit des frères qui se déplacent chez les gens, c'est-à-dire pour faire la ruqya, bien entendu, et le frère lui demande, est-ce qu'il y a un dalil pour ça, c'est-à-dire un dalil du fait que les frères ils se déplacent pour faire la ruqya chez les gens. Donc, tfadal ya akhi, et ça sera la dernière question. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Salat wa salam alhamdulillah. Yanné, mes frères, je m'adresse aux frères parce que c'est la plupart de ceux qui s'occupent de l'Ruqya, c'est les frères. Et pour cette occasion, lorsque cette question a été posée, je me sens obligé de vous rappeler une chose très importante, une chose qu'on a vu beaucoup en Algérie, en France et ailleurs. Moi, je ne peux pas vous dire que la ruqya, parce que quelqu'un, il y a un délit pour aller chez quelqu'un, c'est la ruqya. Et à chaque année, il y a rahimahullah et le ulama, ils ont mis la ruqya comme un docteur. Si un frère il a besoin de ruqya, il peut le faire lui-même, il le fait. S'il ne peut pas le faire, il est devenu obligé aux musulmans d'aller l'aider. Parce que le prophète il dit man istata an yansa akha falyansa ou falyafal, il faut aider ses frères. Donc si quelqu'un, une soeur, un besoin de ruqya, on ne va pas le laisser comme ça. Il y a des mazlouma et on peut l'aider. On va dire qu'il est permis, il faut. Des fois il dit que ça devient ouais, j'ai pas aidé son frère.
Et s'il ne faut pas le faire aux personnes visées, la personne doit, une des personnes doit le faire. Faire une ruqya parce que c'est d'aider son frère. C'est dans, de, ça fait partir de donner la force au, au ceux que la justice a été commis contre lui. Et enlever le tolm. Si c'est un djinn, là, si c'est un cadeau, enlever ce tolm. Et l'enlever. Donc la ruqya, on ne dit pas qu'il n'est pas permis d'aller faire un ruqya à son frère ou à sa soeur parce qu'elle est dans un besoin. Mais ce qu'il faut appuyer, sur quoi il faut affirmer, sur quoi il faut insister, c'est pas sur ça. Parce que là, on ne demande pas si un délai d'être chez Foulane pour faire le ruqya. Naam, si tu vas chez Foulane pour faire le ruqya, il en a besoin et tu es ahl al-ruqya, on te dit naam. Tu vas aider ton frère à faire le ruqya sharia. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est est-ce que et comment faire la ruqya ? Il est là le problème. Est-ce que tu fais la ruqya al-shara'iyya, les qawa'id al-shara'iyya, hein, comme il a fait le sahaba et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou tu fais ruqya bid'iyya ou shirkiyya. Il est là le mushkil. Il est là le problème. Et on voit beaucoup de frères qui nous font des ruqya qu'on n'a pas vu autant de salaf. On n'a pas trouvé des hadiths, on n'a pas trouvé des ayahs, on n'a pas trouvé des filles, des compagnons. Par exemple, on trouve des frères, ils vont faire des ruqya à des sœurs, par exemple. Ils vont faire des ruqya à des sœurs sans hijab. Sans hijab, sans voile d'entre lui et elle, il la regarde, elle la regarde, et il lui parle, elle lui parle, il lui touche les mains, et des fois il lui touche autre chose. Et il dit non, je suis comme un docteur, je peux toucher. Il nous fait du ta'wil et il joue avec nous. Il nous dit, ouais, je suis comme un docteur, je peux la toucher. Hadhihi ruqya fasida. Hadhihi fawda. C'est du désordre, c'est de la corruption, ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a cité Aïcha radiallahu anhu, elle a dit, wallahi, hein, wallahi ma massat yad rasulillahi yad imra'atin qattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle jure, Aïcha, que le prophète n'a pas touché une main, que le prophète n'a pas touché une main, hein, d'une femme, sauf les mains de ses femmes, hein, sauf les mains de ses femmes. Et le prophète, il a juré, il a dit, hein, il dit là où ça fait une ça, il a amené ou d'ailleurs un an, c'est le calam. Au fait, il m'a dit lorsque je fais un pacte avec comme musulman, et on se met d'accord sur les choses, il serrait la main aux hommes, mais pas aux femmes, seulement avec les paroles. Al-Muhim, je touchais. Et voilà, quand lorsque l'histoire est venue où une femme lui a demandé de la doua, parce qu'elle était malade, elle avait besoin de ruqya, elle tombait, elle se dévoilait, elle enlève ses habits. Alors le prophète Hassimi lui a dit, si tu veux, je fais doua pour Allah et guérir, ou là, tu patientes, et fais-toi, tu seras au paradis. Alors là, elle a demandé au prophète qu'il lui donne pour le paradis, mais elle a dit seulement, fais doua, ouais, pour pas que je me dévoile, parce que je vais me dévoiler. Et là, le prophète Hassimi a fait doua pour le paradis, il a fait doua pour elle, et alhamdulillah, أظن الشفية المرأة والحمد لله. المهم جولي ودي لأن الرقية الرقية ليس كما نظنو الرقية ليس كما نظنو الرقية on doit la prendre d'après les lumières de l'islam. On voit les sahaba, ils ont fait rukya. Est-ce que les sahaba ils sont entrés avec les femmes et faisaient rukya et s'assoient avec une femme tout seul et fait rukya, est-ce qu'ils touchaient une femme qui n'est pas sa femme, là il y a juste ça, c'est pas rukya. Elle dit, c'est pas comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait été dans le ruqya. Thumma, ruqya, yani, raq, il se tient à ruqya, est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce qu'il rentre et commence à lire le Coran, ou faire des douas et crier, et se battre avec le malade, lui mettre des coups comme il se battait avec un ennemi? Est-ce que c'est ça ruqya? Là, parce que les sahaba, on l'a vu, ils ont frappé, ils ont battu, ils ont insulté, ils ont dit bala, ils ont fait une conférence avec le djinn, tu viens d'où, tu sais que tu pars, tu sais que tu reviens, tu rentres d'où, ils sortent bala, tu viens de la tête, des yeux. Est-ce que c'est connu les sahaba, ça? Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des bêtises. Ce n'est plus dans le Coran, ni de Sunnah. Le prophète, la seule chose qu'il disait, Okhruj adou Allah. Inni Rasulullah. La seule chose qu'il disait. Et là, on voit des frères, ils discutent. Le djinn, il lui dit, ouais, je m'appelle comme ça. Et pourtant, le prophète, il dit, qu'est-ce qu'il dit sur le djinn, sur ce shayatin qui rentre? Il dit, kadoub. Comme il a dit, Hadith Abi Huraira. Sadaqata wa wa, kadoub. C'est les grands menteurs. Alors, il te dit, comment tu l'appelles? Je m'appelle Mohammed. Tu sais que tu viens d'Amérique. Quand c'est que tu es rentré avant-hier? Quand c'est que tu vas sortir? Je sais pas. Combien vous êtes? 50. Combien vous êtes? 1000. Des fois, il croit, il rend la malade, ou le malade qui fait l'opéra encore plus malade. Le papa et la maman, ils ont parlé à côté, ils sont 1000, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout des mensonges.
Alors il rentre avec lui dans la discussion, le génie joue avec lui, ça joue avec ce Raki qui connaît rien, il se moque de lui, lorsqu'il part, il marche, il vient tous les jours, il se moque de lui. Elle dit tout ça, c'est pas de Rukia. C'est pas comme ça qu'on fait Rukia. Rukia, on s'amuse pas. Rukia, on vient, on lit le Coran, et d'abord, comme ils ont dit le ulama, on explique aux gens. On explique que c'est pas moi qui va le guérir. Il faut leur faire un dos de Aqidah d'abord. Il faut lui dire, ya Akhi, ya Ummah, ya Abba, ya Ammi, ya Khali, ya Kala, ya Muslimin, ya Ma'ash Muslimin. C'est pas moi. C'est pas moi qui va vous guérir votre fils, c'est pas moi qui va sortir le djinn ou le shaytan, hein? C'est pas moi, c'est Allah Ta'ala. C'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui enlève, c'est lui qui crée, c'est lui qui tout. Demandez, revenez à Allah. Il faut rappeler aux malades qui revenir à Allah. Reviens à Allah, il y a peut-être une faute, il y a peut-être une mafia. Le djinn ne rentre pas comme ça. Bi'inillah, on sait bien bi'inillah, mais il y a des sababs. Peut-être que tu as un péché, il faut lui rappeler son péché, il faut lui rappeler ses actions. Tout de l'Allah, revenez, la maison, revient à Allah. Enlevez les photos, enlevez ce qui énerve Allah, enlevez ce qui fait sortir les anges, enlevez ce qui permet à faire entrer les djinns et les shayatines. Le prophète, il nous a élevés comme ça. Il a dit qu'il ne faut pas mettre les photos dans les maisons parce que les anges n'y rentrent pas. Si les anges n'y rentrent pas, qui dit qu'ils rentrent? Il reste que les shayatines qui rentrent. Le prophète, il nous a expliqué de dire bismillah quand on rentre, de dire bismillah quand on sort. Il nous a expliqué. Il faut éduquer les gens comme ça. Dès que tu rentres, tu leur fais un dos de aqidah. Pour faire un dos, il y a une de tamassakou, et ta'allakou, on a dit zatillah, billahi jalla fi'ula. Allah, il s'accroche, il s'affirme vers Allah, personne. Il compte Allah, et le retour, il est Allah. Si tu leur donnes une bonne aqidah, tu leur donnes une bonne aqidah, et tu lui expliques une bonne chose, Inch'Allah, tu vas voir l'amélioration. L'amélioration, on a vu tout à l'heure, l'importance du tawhid, et parmi les choses importantes dans le tawhid, ça facilite à la personne d'oublier les tristesses et les malheurs et les soucis, ça le renforce. On l'a vu, on l'a pas vu tout à l'heure dans notre poste. Faille, on va leur parler du tawhid, on va lui parler. Et vous allez voir, il est arrivé des frères, wallah al-azim, on les a connus en Algérie ailleurs. Ils sont rentrés, ils ont fait un darse de tawhid, Allah, Rasoul, Al-Muta, Okaba, Okaba. Wallah, ils ont vu le malade qui était là-bas, il s'est levé là derrière, ils ont même pas lu le Coran, rien. Ils sont venus le lendemain, il n'y a rien, il est guéri. Ils ont dit, mais Allah al-Din Aslam, il est parti, il a compris, il a écouté les bonnes paroles, il s'est sauvé lui aussi. Enfin, le Mouhim, à Walshi, on en parle aux gens, on leur explique et tout ça. On leur accroche aussi. Si on dit, on leur dit qu'on va dire du Coran, c'est tout. On a des doigts, c'est tout. Pas autre chose. Tel et si, on va leur dire, si jamais Allah, il vous donne, si le djinn il sort et tout ça, ou le cirque il sort, remercie Allah. Remercie Allah. Allah, il fait boucher à Kélim. Remercie Allah. Et remerciez-le pas seulement. Ah, alhamdoulillah, avec la langue, comme beaucoup de musulmans font, mais avec le cœur, la bouche et les actions. Qu'Allah, il parle des shakirin, il parle des shakirin, des amalihim, wa aqwalihim, wa qulubihim. C'est ça, shakir. فَلَمْ يَشْكُرُ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ وَيَمْتَقُوا بِهَذَا الشُّكْرِ بِلِسَانِهِ فَعَمَلُهُ يَتُلْ مُقْتَضَى شُكْرِ بِالْعَمَلِ. Yani son amal, il va montrer qu'il est shakir. C'est quoi comme un amal? Par exemple, il disait, il priait, maintenant, et faisait tel nafila. On parle pas de rawatib, tel nafila. Lorsqu'Allah il doit donner ça, ils ont fait plus de nafila. Ils donnaient, par exemple, par la semaine, 1000 francs sadaqa, ou dans le mois. Tiens, Allah il a guéri tout ça, il voulait remercier Allah, il a décidé, je vais encore plus m'approcher à Allah, remercier Allah, je vais donner 1500. Yani, ces amals vont progresser, améliorer. Il va s'approcher en plus vers Allah, il va aimer plus Allah, et c'est Allah, je m'en là, yani, et là, il va Allah le relever, et, inshallah, quand il va voir qu'il a bien remercié, Allah va lui donner la foi, et va le protéger, bi'innillah ta'ala. Voilà ce que j'ai sur ça, et Allah alam, ou hada wa ce que j'ai, Allah alam. Je jazakum Allah khairan. On va s'arrêter là. Moi, je vous laisse. Et vous, je ne sais pas ce que je vais faire, mais moi, je vous laisse. Allah iftah alayna alaykum. Wa jazakum Allah khairan. Wa naqul wa salat wa salam ala rasulillah. Wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah, dimanche, qui arrive là, nous continuons sur la traduction de la cassette de Cheikh Saleh ibn Nafa al-Harbi, hafidhahullah ta'ala. وسدد خطاه على الخير والهدى والمنهج السلفي والعقيدة السلفية جزاء الله عنا والإسلام والمسلمين خير الجزاء ونسأل الله أن يرد كيد الكائدين من أهل الأهواء الذين يطعنون فيه بباطل أهل الحسد والحق والزيغ والضلال فإن شاء الله نزال continuer à faire la traduction de la cassette de Cheikh Saleh sur le cas
إلى الدعوة إلى منهج أسامة بن لادن. Et je pense que la plupart d'entre vous étaient dimanche passé, nous avons parlé, nous avons traduit la photo de Cheikh Ben Baz, les fatwas de Cheikh Mokbel, rahimahullah, et nous reste Cheikh Falah, et si on trouve d'autres fatwas, on vous les traduit, mais ça suffira ça, Inch'Allah, et après on verra. Et j'avais décidé, Inch'Allah, et dernièrement j'ai trouvé une fatwa très très importante de Cheikh Ben Baz, qui parle d'une chose très très importante, et c'est son moment là. Il parle quelle est la raison et la cause pourquoi les musulmans sont faibles. Et les ennemis se sont remportés, vaincus, ils sont remportés contre eux, et ils les ont battus, ils les ont fait comme on a vu en Irak, maintenant, on a vu dans beaucoup de cas. Cheikh Ben Baz, il part ça dans trois feuilles, il explique pourquoi. Et ça, Inch'Allah, après, pas ce dimanche, parce que dimanche, on finit Bouchara Ben Laden, prochainement, on vous le traduira, comme ça, vous allez savoir la raison de notre faiblesse. Hein? Dans le hadith du prophète a bien expliqué, dans un hadith sahih, hein, que, il a dit, dans peu de temps, hein, vous allez être entouré comme les gens entourent l'assiette. Yushiku antabi'a alaykum al-umam kama tad'a al-akalatu ala qas'atiha. Il a dit le prophète sallam, hein, bientôt, yushiku, ça fait dans pas longtemps, hein, un temps bientôt qui va arriver, hein, que bientôt, il va, les communautés vont se retourner contre vous. Les communautés yokofar et ça, ils vont se faire un cercle, ils vont se retourner tous contre vous. Vous allez être faibles devant eux. Et après, il a dit, comme se met les gens qui mangent autour d'une assiette. Vous avez vu, quand il y a 10, 15 personnes qui mangent sur une assiette, tu ne vois même plus l'assiette. Et tu ne vois même pas ce qu'ils mangent. Tu es obligé de chercher qu'est-ce qu'ils mangent, il y a tellement de monde. Pareil, il a dit, les communautés qu'on fait, ils vont nous écraser autour de nous comme ça. Hein? Et lorsque le hadith est là, il est dans le Sunan Abi Daoud, le hadith du Sahih, al-Albani, rahimahullah, al-Albani, sahih al-hadith, lorsqu'il a demandé, les Sahaba, comment ça, ils ont été étonnés, comment ça? On va arriver à un point comme ça, ils vont nous écraser, ils vont casser. Le prophète Hassim l'a dit, ils vont dire, Ya Rasulallah, amin killatina yawma idhi nahnu. Est-ce que parce qu'on sera très peu ce jour-là, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, est-ce que parce qu'on sera très peu? Il a dit, bal antum yawma idhi kathir. Là, certes, vous serez ce jour-là très très beaucoup. Combien de musulmans maintenant? 1 milliard, pas plus d'un milliard maintenant, plus 1,2 milliard maintenant, les montées. 1 milliard de musulmans, on a plus d'un milliard. Bal antum yawma idhin kathir walakinakum ghoussa ka ghoussa is-sayr. Mais par contre, seulement vous serez comme le ghoussa. Vous savez ce que c'est le ghoussa? Alors, qui sait ce que c'est le ghoussa? Demain, je ne suis pas à l'écran là. Je suis au téléphone. Je suis à l'écran, je regarde qui c'est qui connaît le ghoussa qui marque. C'est quoi le ghoussa? Alors, le ghoussa, vous avez vu dans les rivières ou la mer? Il y a, comment vous appelez ça en français? Qu'est-ce qu'il va me donner en français? Je vois pas ce qu'il sait. Ah, Yamin, regarde qui c'est qui peut me dire en français le rosa. Il y a une phrase, Hamid, il marque l'écume. Comment? Le truc blanc là dans la mer quand on fait des vagues, l'écume. L'écume. Wow. Voilà, dans la mer et tout ça. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la mer, les trucs, les machins. Comme quand tu vas dans la. Comme il a dit, le frein, comme à la machine à laver. Quand elle tourne en tourne, la mousse et tout, elle monte, tout ça. Voilà, c'est quoi le roussa? T'as vu comme elle est beaucoup à la mer avec les vagues, avec elle. Il dit, Yaouma, il dit, voilà, kinakum roussa. T'as vu ces boules-là et ces sortes de trucs-là, comme il y a dans la mer, elle vient avec une vague, elle part avec l'autre vague, elle part là, elle part bien, elle part, elle revient. Vous serez comme ça, vous. Pas de valeur. Comme ça. Et tout ça, on revient sur quoi? Ce qu'on a dit alors. At-tawhid, at-tawhid. Et le hadith, il est plus long, Allah alam. Et inshallah, le jour où on va faire la traduction du kalam, Cheikh Ben Baz, rahimallah, on passera sur ça. Wallah alam, et je vais vous laisser maintenant. Jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.